Aujourd'hui centenaire, les écoles d'art américaines prennent leur quartier d'été tout autour de la cour la plus ancienne du château, la cour ovale. Elles s'inscrivent ainsi dans son histoire, composée de strates successives qui s'enrichissent les unes des autres. Les jeunes étudiants américains bénéficient ici d'un enseignement qu'une longue lignée de musiciens se transmet tour à tour. Parmi ces interprètes et pédagogues remarquables, Nadia Boulanger s'affirme comme la figure la plus marquante. Autour de cette cour ovale qu'arpentent les étudiants, la chapelle Saint-Saturnin est la première chapelle du château. Au XVIe siècle, François Ier la transforme en une chapelle double. Une chapelle haute réservée au roi et à sa famille, et une chapelle basse qu'il dédie aux serviteurs. La chapelle haute est un spectaculaire oratoire de la Renaissance dont la voûte à caissons en bois est décorée d'une multitude de têtes d'anges. Henri II fait construire une tribune d'orgue supportée par deux colonnes en marbre. Bien plus tard, la chapelle est transformée en bibliothèque par Napoléon. La chapelle basse possède un décor en grisaille d'or du début du XVIIe siècle. Son atmosphère de recueillement vient avant tout de ses vitraux, réalisés au XIXe siècle d'après les dessins de la princesse Marie, la fille du roi Louis-Philippe. C'est lui qui fait réhabiliter la chapelle basse tombée en désuétude afin qu'elle redevienne un lieu de culte. C'est ici qu'ont lieu les cours de violon donnés par les célèbres Gérard Poulet et Alexis Galperine, tous deux élèves de Hendrik Scherin. Il a lui-même étudié avec Nadia Boulanger dans les années 30, avant d'enseigner aux écoles d'art américaines. D'autres professeurs du conservatoire américain illustrent parfaitement cette filiation pédagogique. Le pianiste Philippe Bianconi, célèbre pour ses enregistrements de Debussy et de Ravel, est dans les années 70 l'élève préféré de Gaby Kazatsu, autre pilier des écoles d'art. Elle fait d'ailleurs appel à lui en 1994 pour y enseigner. Il transmet donc à son tour l'art du piano à la française, au toucher précis et délicat. En 2014, il assure la direction artistique des écoles pendant 4 ans, juste avant la directrice actuelle, la violoncelliste Diana Ligeti. Les écoles d'art recrutent également d'anciens élèves américains comme Robert Levin. Dès l'âge de 12 ans, il participe dans les années 50 à 5 sessions d'été. Il suit les cours de piano de Robert Kazatsu, et les cours d'harmonie de Nadia Boulanger. Il compare son enseignement à une boîte à outils qui lui permet à la fois d'interpréter des œuvres classiques, contemporaines et d'improviser. Une fois diplômé d'Harvard, Robert Levin diffuse cette pédagogie dans différentes écoles et universités américaines, comme tant d'autres élèves des écoles d'art. Dans les années 60, un autre étudiant de Nadia Boulanger à Fontainebleau, le compositeur Philip Glass, se souvient de ses cours d'harmonie. Ces cours comprenaient aussi bien l'analyse des œuvres médiévales, baroques, romantiques ou modernes, mais aussi l'écriture musicale sous toutes ses formes. Après un travail acharné dans la maîtrise des règles, elle conduisait ses élèves à suivre leur propre voie. Comme avec Aaron Copland, inspiré par le jazz, Astor Piazzolla, imprégné de tango argentin, ou encore Quincy Jones, passionné de rhythm and blues. Depuis 1987, ce cours d'harmonie à Fontainebleau est assuré par Isabelle Dua. La chapelle Saint-Saturnin témoigne elle aussi, dans son architecture et son décor, de l'harmonie des époques et des styles. Pour illustrer cet enrichissement des styles propice à l'élévation artistique, Nadia Boulanger place au centre de son enseignement la musique de Jean-Sébastien Bach, immense compositeur et pédagogue. Bach est nourri de musique française, en particulier de compositeurs comme François Couperin, dont il réemploie une forme musicale appelée suite, composé d'une succession de danses précédée d'un prélude ou d'une toccata. Ophélie Gaillard, qui enseigne également aux écoles d'art américaines de Fontainebleau, interprète le prélude de la suite numéro 1 de Bach pour violoncelle seule. Thank you.
Thank you.